Ok. Donc, on va faire du travail du 50-50, mais on va, entre guillemets, apprendre à le passer. Donc là, souvent, hop, ce que je dis, c'est le partenaire vient, fait genou estomac. Là, je suis un peu dépassé. D'accord? Donc là, au lieu de poser au genou, je vais pousser à la hanche. Quand je pousse à la hanche, faire une langouste pour créer de l'espace. Ensuite, mon pied, je viens le mettre sur sa hanche pour rentrer l'autre. Boum. Si bien dans le creux. Et là, je vais venir talonner le sol. D'accord? Là, je suis sur une position de 50-50. Je vais tout de suite profiter de ce moment-là pour relever. D'accord? Comme je relève, mon genou, il doit être. Appuyez un petit peu. Mon genou, il doit être vers l'intérieur. Vers l'extérieur, pardon. Ici. Comme si je voulais mettre, regarder le ventre au sol. S'il est ici, il va juste lui faire l'action et remonter. D'accord? Donc, je suis ici. Boum, je contrôle son genou. Ok, là j'attends bien mes 3 secondes et après je peux essayer de mettre en danger la cheville. Donc je vais chercher mon contrôle sur la cheville et mon pied va venir rentrer sur sa cuisse. Pied rentre sur sa cuisse ici. Là, ici je suis bien en verrou. Pour accentuer la pression, je vais mettre mon pied sur sa hanche. Et là, tout simplement, je vais pousser. Pousser mes tempes. D'accord? Pousser mes tempes. D'accord? Hop, le partenaire va travailler, boum, je crée de l'espace, boum, je rentre, hop, hop, talon vers le sol, je grimpe, je stabilise, 3 secondes, d'accord, je prends mes points, 1, 2, 3, je vais chercher, tac, le pied rentre sous sa hanche, hop, je serre les genoux et je m'étends, d'accord, le pied, il vient mettre, tac, 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 comment on fait? Mettre la tête là-bas pour voir. Là, le pied, au départ, là, bien sûr, normalement il reste là, mais là je vais l'enlever pour que tu vois. Mon pied, il vient rentrer ici, là. Et après, ça donne que je suis là. D'accord? Et pour mettre l'intention, je vais pousser sur sa hanche. Boum. Et je me grandis. Ok? Donc ça, c'est la version si par exemple je rentre dans le 50-50 et j'arrive à me relever tout de suite. Parfois, on est dans un 50-50, bien, 50-50, et les deux ont fermé. Les deux ont fermé, ok? Les deux ont fermé. Donc là, pour remonter, il faut pareil que je prenne l'angle. Je vais contrôler son genou, prendre l'angle. Boum. Alors, une fois que je suis là, je garde son genou contrôlé. Je marche. Je me mets sur mon genou, puis sur ma jambe. Mais pareil, sur ma jambe, genou vers l'extérieur. Pas le genou à l'intérieur, il me déséquilibre. Genou vers l'extérieur, d'accord? Là, souvent, son verrou, il est encore fermé. Je vais prendre de la hauteur. Boum. Boum. L'autre jambe, pareil, vers sa tête. Ok? Ensuite, là, je change. Là, je suis dans ce sens-là, je change mes mains. Genou, estomac. Et ça est contrôle. Alors je suis ici. 1. Je verrouille son genou. Boum. Je viens sur le coude. J'oriente tout sur le côté. Mon pied, petit détail, je le laisse pas loin pour qu'il aille le chercher. Quand je viens, hop, je colle sa hanche. Corps collé à sa hanche. Ici, je lève. Bam. Je me redresse. Bam. Genou vers l'extérieur. Bonne posture. Pousse 1 vers lui, 2 vers lui. Quand au départ je suis encroché comme ça, je tourne. Et je prends mon contrôle. Une fois de face à la caméra. Ici, ici, 1, 2, 3, je lève. Boum, sur mes jambes. Je redresse. 1, 2. Je tourne, je tourne, d'accord? Tu vas voir, quand tu tournes, ça donne automatiquement l'enrondi. Boum, step over. Et je prends mon contrôle. Ça marche, donc tu décomposes. Au départ, recomposition de la passe, le partenaire passe avec son genou estomac, recomposition, relevé, clé de cheville. Break, tu montes le deuxième si le verrou est fermé. Ça marche ?